C'est la bonne couleur, hein, c'est jamais quand même. C'est déjà arrivé, hein. Non, en vrai, c'est bon, c'est là. Du coup, c'était que des M. Ouais, et ça, c'est le anthracite. Attends, je vais l'ouvrir. Vas-y, vas-y. Stylé en tout cas, moi j'aime bien. Couleur très basique, oui, oui, oui. Très classique, mais ça reste. En fait, ce qui est bien avec ce fournisseur, c'est que c'est vraiment des chaque fois des couleurs, je trouve, elles sont cool de ouf. Tu vois. Elles sont simples, mais je vais l'essayer ce truc. Ouais, mais j'aime bien la couleur. Ah, même, genre la couleur, la coupe et tout, c'est grave stylé. Ouais, franchement, il est bien. Le XL pour genre tester le logo dessus, en mode voir si ça fait pas trop petit. Ouais, bah oui, vas-y. XXL, je me suis trompé. Ouais, j'ai pris le plus grand possible. La machine. La machine qu'on pensait avoir cassée, hein, bien sûr. Alors que c'est juste B, j'ai juste pas essayé de surfer. Plus beau, on va coller le truc. Faut vérifier qu'il n'y ait pas de travers, genre. Oh non, je crois qu'il est tout droit en vrai. Attends, change de côté. Ouais, non, c'est tout bon. Moi, je pense que c'est bon. Let's go. Voir l'intérieur là. Ça c'est l'intérieur, on va faire maintenant le petit contour. Oh, ça rend bien vraiment. Ouais, je pense que ça change parce que tu sais, genre vu que le stabilisateur il est pas jusqu'au bout, ça. Ouais. En mode là il est plus bizarre, plus tordu. Il est un peu, ouais, plus tordu, genre il était pas assez stable du coup. Pas assez tendu. C'était pas bien mis ça. Ça c'est des t-shirts test, mais au moins on fera pas deux fois là, on sait qu'il faut pas faire. Faut faire attention quoi. Un petit logo discret et tout, ça non, c'est cool. En mode ça va, c'est pas trop petit. Enfin, c'est vrai, je me dis, c'est la même pour tout le monde. Genre. Après, il est très discret donc c'est cool. Oh, tiens, une petite bille là, on dirait. Ouais, mais ça, je crois que c'est dû au stabilisateur. Du coup, on fera gaffe avec le stabilisateur. Mais sinon, franchement, il est propre. Hein. Mais sinon, si je l'aime bien, on dirait un pyjama. Il y a le 6M. Ouais, ouais, ça c'est pour les photos, qu'on les fasse. Tu as encore les oreilles bouchées. Comment tu sais, quand t'entends que tu parles, c'est comme quand t'es enrhumé. T'es enrhumé, hein? Non. Mais genre, j'ai l'oreille qui fait ça. Bref, on va faire les trucs pour les photos là. Tous les t-shirts, faut qu'on les brode. J'ai pas vu que je me filmais. Bon, c'est parti. Bon, il flippait, mais il est pas mal. En fait, on le voit jamais à la bonne lumière, ouais. Celui-là. Mais... En fait, ce truc aussi, c'est qu'à la caméra, on voit jamais la vraie couleur. En vrai, il rend bien. C'est... Le petit logo, là, ça fait brillant. Petit discret, petit truc, bien pour l'été. Ah, j'aime bien, en vrai, je veux dire. Mmh. Vraiment pas mal. Ils sont tout doux, ces t-shirts. Genre, je sais pas, je les trouve bien doux. Enfin, c'est pas logique. Là, c'est l'intérieur de con. Oui, mais je sais, mais l'extérieur, c'est la même. C'est pas logique que ce soit une texture. Oui, mais moi, je trouve. Je comprends pas. Mais je suis pas folle. Genre, quand tu touches, tu trouves pas qu'il est différent? Ouais, il y a un truc différent. Hein. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. C'est lui qui est bizarre, c'est pas les autres. Lui, il est pas comme d'hab. Il sort d'où ce t-shirt? Il sort des enfers. Mais c'est vrai que c'est étrange. Ah oui, il veut pas commander pour avoir pas le même t-shirt. On va dire direct un truc. Hein. C'est vrai que celui-là est bien en vrai, ça fait une matière super fluide. On va leur envoyer un message en disant pourquoi c'est pas vraiment les mêmes textures et tout. Et ouais, pas les mêmes étiquettes. Non, on voudrait. Je sais pas c'est quoi le mieux en vrai, tu penses. C'est comme si en gros là, je sais pas, tu le tisses légèrement et là tu le tisses plus fort. La manière de brosser le truc, ou même entre guillemets, je sais pas, moi c'est comme si tu disais le fromage, le comté de 12 jours et le comté de. Ouais. C'est du comté, mais c'est pas la même façon de faire, c'est pareil. Je comprends rien, c'est comme une minute. T'as de la force là? Oui. Ah, je me suis niqué la main. C'est bon, je suis ready. Je me dis pourquoi pas que le gros trépied quoi. Mais en fait, celui qui est heureusement, il est cassé, genre échec de la mission. À cause de la broderie,
Genre, il y aura forcément des petits plis et tout. Comme les Adidas qui ouais, reprend... Ouais, mais ça, je vois, je calcule même pas sur les Adidas et tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, je suis trop focalisé sur mon truc, donc je sais même pas si c'est que dans ma tête ou c'est ça qui me rend fou. Après, si toi, tu lui dis... C'est que... Non, pour moi, il est normal. Bah, la seule solution, là, c'est de demander à quelqu'un de extérieur. On a reçu un petit colis aujourd'hui. C'est un stabilisateur et des fils qui nous manquaient pour finir les t-shirts. Donc, du coup, on va ouvrir ça. Alors... Il y en avait deux. Bon, il y a deux petits stabilisateurs et deux petits fils. Donc du coup, on va faire les autres t-shirts. Il est stylé ton pull. Oui. Bon allez, c'est parti. Non, je rigole. Ah non, faut faire les TikTok. Mais ils sont tous pliés, c'est vraiment stylé. Ouais, de ouf. Fais les photos. Il fait un peu froid quand même. T'as fait nous, t'as fait nous. Oui. Bref, on va faire des photos et arrêtons d'être bizarres. Oula, vite, vite, s'enlève. Vite, vite, vite. Cours, cours. Est-ce qu'on mettrait pas genre déjà on va mettre la même chose, on va juste rajouter un mot devant. Alors soit on met small, c'est un peu bizarre. Moi j'aurais mis leaf. Non, 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 j'ai fait une petite Soit baby leaf, tiny leaf. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire petit. Tiny, c'est genre vraiment petit, petit. Ah, c'est pas mal ça, c'est mieux. Je pense que tout est bon sur le site. Je vais vérifier les trucs, si j'ai bien mis. On met chaque t-shirt, comme on a dit, couleur avec couleur, tu vois. En fait, on va créer des variantes. Au lieu de créer un S, M et tout, on va créer deux variantes. Pour ce t-shirt-là, va falloir trouver une photo, soit en bleu, soit en vert. C'est-à-dire que si on va sur Paris faire les photos, moi je peux avoir un t-shirt comme ça, toi tu peux avoir celui-là. Et il nous manquera plus que celui-là. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, nouvelle collection de sortie aujourd'hui, 18h. Donc rendez-vous sur le site coconutandclothes.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Insta. Donc voilà, c'est comment s'est déroulée la préparation de cette collection. On a fait 6 t-shirts de couleurs différentes et 3 logos différents. Donc je vous invite à aller voir sur le site si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, tout ça, tout ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.